بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أهلا وسهلا ومرحبا بكم على قناة موقع الأوائل للتعليم عن اليوم إن شاء الله لنتكلم عن الفكتير فيتس متجه السرعة لا فيتس موين السرعة الوسطى Définition La vitesse moyenne, c'est le question rapport de la distance parcourue par le temps. La vitesse moyenne sur c'est le question rapport de la distance, elle me serve parcourue. المسافة المقطوعة على الزمن معناها السرعة الوسطى تساوي المسافة المقطوعة على الزمن لازم لقطع المسافة دونك في ام فيتاس موين دي ديستانس اي تي لي تان لي تان باركوري Elle s'exprime en mètres par seconde. Donc l'unité de vitesse, mètre par seconde. Donc distance. L Unité de distance. Mètre et l'unité de temps seconde. Distance s'exprime un mètre et le temps exprime en seconde. Vecteur vitesse moyenne. VM vecteur. C'est le rapport de la variation du vecteur position par la variation du temps. Donc, vecteur vitesse moyenne, moutége, sur V moyenne, vitesse, vitesse moyenne, le vecteur vitesse moyenne, égale delta OM sur delta T. OM égale XI, vecteur position, dans le repère YJ donc delta OM égale OMD moins OMA si le mobile déplace le point de départ cmA et arrive le point MD donc pour calculer pour déterminer les, les vecteurs vitesse moyenne donc égal OMD moins OMA sur TD moins TA donc OMD moins MA l'abscisse égale delta delta X sur delta T. OMD c'est delta x, c'est-à-dire la variation des abscisses. Fa I. Td moins t1 c'est delta t. Et euh, l'ordonnée de omd moins om égale delta y, y d y sur delta t. Donc, ça égale x1 d moins x1 i e plus y d moins y1 j sur t d moins t Donc, x d... Mais x1 sur td en moins t1 égale delta x, c'est-à-dire les variations des abscisses, sur delta t égale td en moins t1. Et yd en moins y1 sur td en moins t1 égale yd en moins y1 c'est la variation de y, c'est-à-dire delta y. Donc xd en moins x1 on note delta x, et yd en moins y1 on note delta y. Donc, dans l'arme xd en moins x1 delta x, on a le travaillé des abscisses. Y2 ou Y1, les ordonnées, on a un thératype. Sur TD, ou moins T1, c'est la variation du temps. C'est t t Donc, si on va calculer les normes de cette vecteur, vecteur de vitesse moyenne, donc égale les coefficients de I, delta x delta t au carré, puis delta y c'est delta t au carré dans les radicaux. La vitesse instantanée, V. Donc, la deuxième vitesse. Donc, le vol. لا فيتيس موين معناها السرعه الوسطى هون ديزيام لا فيتيس انستانتاني معناها ينقالو السرعه اللحظيه هاي المهمه دائما تكركيلي معناها في اي لحظه نقدر نكركيلو لا فيتيس السرعه دونك سي لا ليميت دي لا فيتيس موين لور سي دلتا تي طون فير زورو معناها ديفينيسيون دي فيتيس انستانتاني دي فيكتور دي فيتيس انستانتاني

de la vitesse moyenne lorsque delta t tend vers 0. Donc, V, vitesse instantanée, vecteur de vitesse instantanée, égale la limite des de vecteurs des vitesses moyennes si delta t tend vers 0, donc égale la limite delta om, parce que delta om, c'est le t, ça c'est les valeurs si delta t tend vers 0 donc l'interprétation mathématique de cette relation tafsir que le hay alaqah chnoue maana d d d o m sur dt maintenant des dérivés. donc à ce chapitre mathématique on le donc on va prendre des exemples sur les dérivés. on va prendre des quelques fonctions faciles les dérivés des quelques fonctions faciles Inchallah. Donc, delta OM c'est le delta T. Maintenant, le dérivé de OM, donc cette inter interprétation de cette relation, on a tertiaré Riyadh et l'Heil V égale la limite de delta OM c'est delta T, si delta T est envers 0, a V c'est le dérivé des OM sur DT. DT les temps ou les, les, les paramètres, c'est-à-dire les vecteurs position sont abscisse à l'ordonnée en fonction de T. Donc, V égale VXI plus Vy J. Donc Vx c'est le dérivé parce que les OM il, il y a des composants OM des vecteurs de position. les vecteurs de position il y a X et Y. Donc on va dériver les abscisses Donc, DX sur DT ça c'est Vx on note Vx et DY sur DT ça c'est VY donc V égale VXI plus Vy, j Donc on va donner des exemples sur les dérivés.

Les vitesses à le point MA, donc MA c'est la, la trajectoire. La vitesse VD euh, pour les points, les vitesses, si le mobile à le point MD, c'est la trajectoire. Donc l'origine toujours du vecteur de position, c'est-à-dire c'est le point considéré de la trajectoire. Maintenant, même les vecteurs, chaque vecteur a origine ou extrémité donc d'origine c'est 7 points et l'extrémité dans ce sens, ça dit c'est ce points donc il y a d'origine, il y a des sens et direction les directions c'est la droite rapporteur de la force la droite, les, les vitesses, est égale direction directions au-delà de la vitesse, les sens sens, ça égale les sens les points, les l'origine du vecteur ou l'origine du vecteur on a une origine en une extrémité donc l'origine toujours est le point considéré dans les trajectoires le point il vitesse, le point de la vitesse que le point de trajectoire est l'origine direction les directions toujours tangentielles de la trajectoire on a la trajectoire on a la trajectoire au point considéré mais il fait un angle toujours la vitesse fait un angle alpha avec le vecteur unitaire I de l'axe Donc, dans les repères, on a les, dans les repères on a deux vecteurs. Le vecteur de l'axe abscisse c'est i, et le vecteur de l'axe ordonnée c'est j. Donc, on a l'origine c'est dans les repères u et j. Donc, i c'est le vecteur unitaire de l'axe abscisse. Donc, les directions de vitesse instantanée fait un angle Alpha avec les vecteurs unitaires des axes d'abscisse, x, Donc cet angle est déterminé par cette relation. Tangent alpha égale Vy sur Vx. Vy c'est le composant du vecteur instantané sur l'axe d'abscisse. Et Vx c'est le composant des vitesse instantanée c'est l'axe d'ordonnée. Donc Vy sur Vx. L'essence celui du mouvement. Hein, le sens toujours c'est le sens du mouvement. Les normes de cette vitesse instantanée, à l'instant T, donc V égale Vx au carré plus Vy tout au carré dans des radicaux. Donc les racines de Vx au carré plus Vy au carré et c'est exprime en mètres par seconde. Donc on va faire un petit rappel sur les dérivés. Les fonctions et, et son dérivés. Le, le chapitre, le chapitre des dérivés, c'est un chapitre de, de mathématiques. Mais on va faire un petit rappel sur les dérivés. Donc si on a un constant A, son dérivé, c'est 0. Les dérivés de T égale 1. Les dérivés de T au carré égale 2 T. Les dérivés de T au cube égale 3 T au carré. Donc, les règles générales T puissance N sont dérivées, c'est N T puissance N moins 1. Donc, si N égale D, donc on va trouver D, T au carré égale DT, ça dit 2 fois T et D moins 1, ça dit 1. T occupe si T égale 3, donc on va trouver N, c'est 3, et N moins 1, c'est 2. Et les dérivées de cos dt égale moins sinus t. Et le dérivés de sinus t, la fonction sinus t égale cos t. Exemple. On a le vecteur position OM égale t au carré plus 1 i plus t moins 2j donc on va calculer la vitesse instantanée la vitesse instantanée par définition v égale d om c'est-à-dire le dérivé de om sur dt. C'est-à-dire on va dériver l'abscisse de OM sur DT. Donc l'abscisse c'est T au carré. Et l'ordre t au carré plus 1. Et l'ordonnée, c'est t moins d. Donc, t au carré, son dérivé, c'est dt. Et le dérivé de 1, c'est 0. Donc, on a dt i. plus... Le dérivé de t égale 1. Et le dérivé de moins d' est 0. Parce que moins d c'est un constant. Donc, le dérivé de t, c'est 1. Donc, on a ici j. Donc, les vitesses instantanées à l'instant t égale dt i plus j. Donc, s'il demande calculer la norme si t égale la vitesse si t égale des secondes, donc on va remplacer par d, donc on va trouver que la vitesse est égale 2 fois d fois d4, 4i, plus j. Donc, vitesse, l'intensité de cette vitesse est égale 4 au carré, plus 1, donc égale 17, 16 au carré, plus 1, égale la racine de 17 mètres par seconde. Donc, si on a OM, le vecteur de position, OM égale d cos t i plus sin t j. Donc, le vecteur de vitesse instantanée, par définition égale les dérivés de OM sur dt, c'est-à-dire on va dériver les paramètres t. Donc, on va dériver les coefficients de i. Ça c'est x. Et ça, c'est y. Donc, dx sur dti plus dy sur dt. On va dériver y en fonction de t. Donc, les dérivés de x en fonction de t. Les dérivés de cos t, c'est moins sinus. Donc, les d, c'est un constant, c'est un coefficient toujours de d. Parce que c'est le coefficient de cos t. Donc on a d, c'est un coefficient. Et les cosines sont dérivés c'est moins sinus. Moins, moins sinus t fois d, c'est à dire moins d sinus t. Et les dérivés des sinus c'est cos. Donc on a i plus les sinus sont son dérivés c'est cos. Donc cos t j. Donc voilà l'expression de vitesse instantanée. Dans ce cas, si OM, le vecteur position OM égale D cos t i plus sin t j, donc on va trouver que la vitesse instantanée égale les dérivés de D OM sur dt égale moins D sin t i plus cos t j.